Eh ben sur la première manche donc de ce premier inshore à Dunlory, là, il y avait entre 24 et 25 nœuds de vent, mais avec des rafales à 30-32 nœuds de vent. Et juste après le départ, Spindrift s'est retrouvé sous la flotte des bateaux et il a pris une grosse bouffe et il a chaviré sur le côté. Et du coup, le bateau s'est retrouvé à l'envers en quelques secondes. Les bouffes de vent étaient tellement importantes à ce moment-là que c'est vrai que c'était très compliqué. Les voiles ont été choquées, les manœuvres pour éviter ont été envisagées, mais là c'est vrai que la bouffe a été plus forte que la rapidité de l'équipage. Le bateau a été remis à l'endroit, là, il est au ponton, à l'endroit, on a récupéré ce qu'on a pu récupérer. L'idée c'est de pouvoir expertiser rapidement le bateau maintenant, voir si la plateforme a été abîmée, si la structure du bateau a été dégradée, et puis envisager une solution pour pouvoir le ramener le plus vite possible à notre base à Saint-Philibert pour pouvoir le remettre en état le plus rapidement possible. On a eu Jacques Guichard dans le chavirage, s'est blessé. Il s'est blessé au bassin, il est à l'hôpital en ce moment. Je viens juste d'avoir un coup de téléphone de son frère, Yann, qui est auprès de lui et qui m'a rassuré en me disant que bon, il avait une grosse fracture au bassin, mais que a priori les choses étaient en route pour qu'il soit soigné. Donc on attend de plus amples nouvelles. C'est exactement ça, ça reste des bateaux qui sont très puissants, ça reste des bateaux où il y a une tension à bord qui est importante. On les pousse à 100% des capacités. À bord, on avait vraiment un équipage de professionnels, des gens qui connaissent la machine, des gens qui sont vraiment expérimentés, qui ont l'habitude de ces bateaux-là. Mais c'est vrai que ça nous rappelle qu'il faut faire attention, que quand on est en inshore, il faut être vigilant sur les conditions de météo, il faut pouvoir anticiper certaines choses peut-être un peu plus en amont et du coup je pense que c'est toujours une piqûre de rappel qui est un petit peu difficile mais qui nous permet aussi de pouvoir grandir et puis de ne pas faire les mêmes erreurs trop souvent. La route des princes pour Spindrift, là c'est sûr que c'est terminé. On n'a pas les moyens techniques de pouvoir remettre un mât et des voiles sur ce bateau-là. Dans un temps qui nous permet de prendre le départ de la suite du tour de la route des princes. Par contre, c'est sûr que on reviendra jouer avec nos copains de la route des princes parce que la formule est vraiment bonne et vraiment ça nous a beaucoup plu. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant nous a beaucoup plu, donc on reviendra jouer avec nos copains.